Et au CPE Villeneuve, on a une longue liste d'attente de gens du quartier. Et on pense que c'est notre devoir de développer des places pour que ces gens puissent rester dans le quartier. Ça fait partie des politiques de la ville que de vouloir garder les familles ici. Mais c'est essentiel que ces gens aient des services de garde de qualité pour leurs enfants. Et nous, on a un projet qui nous permettrait de participer au développement qui doit avoir lieu ici. Et on pense que c'est la responsabilité de la ville que de nous aider à obtenir un édifice dans lequel on pourrait mener notre projet à terme. Alors, en conclusion, c'est clair que depuis chacune des interventions ont mentionné la part de la ville. Alors, c'est clair que la ville de Montréal a un rôle très important à jouer. Alors, son rôle, c'est de réserver les espaces publics, les terrains et immeubles publics de l'arrondissement du Plateau au développement exclusif de logements sociaux et d'équipements collectifs comme le centre de la petite enfance. Donc, c'est clair que ce qu'on veut, c'est que ça soit réservé pour ce type de développement-là, parce qu'on refuse qu'on privatise en partie ou en totalité ces terrains-là pour permettre l'arrivée de nouvelles familles qui ne viennent pas du milieu, mais qui fait en sorte que ça empêche des citoyens et des citoyennes comme nous, des gens qui sont de la classe moyenne, des gens qui ont des revenus modestes, d'habiter le quartier. Donc, ce qu'on veut, c'est que les terrains qu'on mentionnait comme la voirie municipale Saint-Grégoire, la voirie municipale Marianne, le terrain de la STM, le terrain de l'immeuble de l'École des premières lettres, le terrain de Drolet et Villeneuve soit réservé exclusivement pour ce type de projet-là. Donc, ce qu'on demande à M. Michael Applebaum, responsable à l'habitation, et au maire Tremblay, c'est de donner des réponses positives, et on les veut assez rapidement parce que les gens sont un peu tannés d'attendre après le logement social. On attend moins pour avoir des condos, mais on attend impatiemment, on est vraiment impatient d'avoir des réponses positives à cet effet-là. Ce message s'adresse également, il ne faut pas l'oublier, au gouvernement du Québec qui finance en grosse partie le logement social. Alors, dans le dernier budget, on nous a promis 2000 unités de logement social pour tout le Québec. Sera-t-il suffisant pour loger les gens dans les quartiers comme le Plateau Mont-Royal? Ça nous prend des réponses positives. On pense que 2000 unités qui est promis dans le dernier budget n'est peut-être pas suffisant et loin d'être suffisant. Ce que les gens demandent, c'est minimalement 3000 unités de logement social. Donc, on est loin d'être satisfait de la réponse du dernier gouvernement Bachand, du dernier budget du gouvernement Bachand là, et Charest de la semaine dernière. Alors, ceci termine la conférence de presse. Alors, s'il y a des journalistes qui veulent poser des questions, gênez-vous pas. Et par la suite, vous pourriez faire des entrevues privées avec des citoyens et citoyennes des familles.